Hey, salut tout le monde, c'est Bouscaman. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite de BioShock et on va enfin découvrir ce qu'il y a, eh bien, derrière cette porte, n'est-ce pas? Hop, let's go. Oh, c'est sympa. C'est sympa, magnifique. Ça valait le coup d'attendre, c'est le mec. Ok, c'est plutôt sympa. Bah, ça change d'environnement quand même. On va pas se le cacher. Par contre, il y a un petit peu trop de stuff, ça me fait peur. Ouais, là, y a beaucoup. Oh, excellent. Sarcophage là-dedans. Ah, c'est grave. Ça, c'est pas mal. J'aime bien. Jolie déco. Alors, attendez, je vais en profiter pour reload bien toutes mes armes. Voilà. Ok. Vous pouvez m'aider? Vous pouvez m'aider? Ok, donc lui il est pété. Wow. J'entends des bruits partout, mon gars. Voilà. On va prendre le pistolet quand même. Hein. C'est moi là où je l'ai tué comme un connard. Wow, c'est quoi le délire là? Mais d'accord, il s'est bouffé le mur ce trésor. Il essaie de me faire peur mais il bug. Salut Bogos, excellent, t'étais d'armoire et alors? Alors, je ne voulais pas prendre ça, mais bon, écoutez, hein, une solution. On va pas y aller tout de suite, on va d'abord fouiller ce qu'il y a derrière. Ok, donc le mec, il a changé de petite phase comme ça où tu sais, il y a un ennemi qui fait peur. Voilà, du coup, ça faisait pas super peur. Aujourd'hui, l'Arcadie n'était ouverte qu'aux clients payants. Ce type m'engage pour planter une forêt au fond de l'océan et il fait d'une promenade dans les bois un produit de luxe. Ryan m'a dit, un fermier ne doit-il pas être libre de vendre sa nourriture? Un potier n'a-t-il pas le droit de vivre de ses poteries? J'ai essayé de discuter avec lui, mais je sais qui signe mes chèques. La seule chose qui sortit à son hypocrite, c'est un hypocrite au chômage. Ok là. Donc on avait amélioré le pompe, hein, du coup on reload plus quand on... Enfin on réarme pas. On tire direct, donc c'est cool. Alors, il y a quoi à acheter ici? Trousse de soins, on va acheter sur un club. On va garder un peu de thune quand même pour les munitions, tout ça. Ah putain, surtout qu'il y avait une trousse de soins ici, je suis en peinard. Attends, hop. Voilà. Hop. C'est quoi ici? On peut descendre, ok. On va d'abord aller là. Je sais comment je saute. Ok. C'est un... Putain, j'ai cru qu'il avait... Salope. Eh oh, tu vas pas t'échapper, non? Coquin. Hop. Mais qui c'est? Mais
vous cache pas que c'est un putain de labyrinthe ici, hein. Je sais même pas où je vais. J'ai l'impression que je tourne en rond mais que... Putain, il est pas mort encore lui. Attends. Inventaire d'objets, c'est quoi ce bordel? D'accord. Ok. Trophée obtenu, excellent. J'ai acheté un truc, c'est des mines antipersonnelles, je sais pas quoi là. J'entends un protecteur. Et elle a trop de vie, elle, mon gars. Je pensais la buter en quelques balles et tout. Du coup, lui, par contre, il est où? Elle est où? Ok, la petite fille est là. Alors, j'ai des balles de ça. On la sauve. Ouais, faut les tuer, hein, je vais les tuer. Comme ça après je sauve les petites filles. Et des fois elles peuvent me faire des petits cadeaux aussi. Ouais, j'ai pas mal d'Adam, hein, comme vous pouvez le voir. Va-t-elle nous faire un cadeau? Eh bien non, génial, vas-y. Salope, t'es mec. Donc du coup j'ai plus de balles de ça, très bien. Saloperie. Hop. Et c'est assez vaste ici, j'aime bien. Ouh. Non, c'est des bombes ça. Ah, c'est des grenades. C'est quoi la touche des grenades? Considérable pour la régulation du marché des plasmides. Il y a eu des effets secondaires, cécité, démence, mort. Mais à quoi bon défendre notre idée? Les collines roulantes sont là-bas. Tout comme la garde. Le mec lui a dit ferme ta gueule, gros, je parle. En même temps, c'était un peu de la merde. Hein. Oh putain, il y a les... Ah, j'avais même pas vu, mais il y a un petit décompte. Les parasites ont déclaré que c'était le pays de Dieu. J'ai presque une petite question après ça. Oh là là, ça va me bousiller toutes mes balles, c'est pas cool. Ok, donc du coup j'ai rien entendu de ce qu'il a dit l'autre là. Eh ok, excellent, il nous a pété la gueule. Débarque. Il y a plusieurs fois que je suis mort comme ça par l'explosion du vieux que j'étais en train de défoncer. C'est pas grave. Alors. Amélioration de la santé, augmente votre santé. On va le faire. On va le refaire, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut... Les plasmides utilisent moins d'EV. Vous subissez moins de dégâts du feu et vous en infligez plus lorsque vous utilisez le feu. Vous émettez une puissante... ouais. Ouais, écoutez, en fait j'ai acheté ça, mais c'est vrai qu'au final j'ai déjà des trucs pas mal. Bon.
Du coup, on a augmenté notre santé max. Vous voyez là, là par exemple, il a pas de petite fille. Bon, ça sert à rien que je bute. Hein. Hop. Ah, des balles de pompe, je crois. Non, même pas. Ah, quoi que, attendez. Ah, si, j'ai des chevrotines. Oh la gueule qu'elle a, elle est dégueulasse. Ma chasse s'est mise à crier. Maman, maman, c'est quoi ça? C'est quoi? Je croyais qu'elle avait une sorte de crise et j'ai soudain compris. Les arbres. Les arbres. Elle n'en avait jamais vu. Elle les prenait pour des monstres. Oh, Samy. Nous avons peut-être eu tort de venir ici. D'accord. La meuf apprend des arbres pour des monstres. C'est là. Que voulez-vous de plus? Laissez-moi tranquille, sinon vous aurez tous les tourelles sur le dos. D'accord, excellent. Très gentil cette dame. Donc, je pense qu'on va la revoir prochainement, je ne sais pas. Et elle avait l'air très gentille. Hein. Achetez des articles. Alors, grenade frag, c'est intéressant, mais je ne sais pas où elles sont, ces grenades, et je ne sais pas comment on fait non plus pour s'en servir. Donc ce serait bien d'aller voir dans les commandes. Il n'y a pas moyen de voir toutes les commandes là. Ah d'accord, je peux reload aussi avec cette touche. Ouais, je sais pas comment on fait pour envoyer les grenades. Au fond de l'océan. Tout notre oxygène vient des arbres. Sans arbres, pas d'oxygène. Ah bah oui. Laissez-moi réfléchir un instant. Ah ouais. Intéressant ce qu'il a fait le mec. Langford. Elle est honnête, mais pas à l'abri de quelques magouilles pour arrondir ses fins de mois. Si elle est toujours là, elle voudra sauver ses arbres. Après tout, c'est elle qui a planté cette forêt. Ouais, donc là, je vais devoir aller voir l'autre là qui était complètement folle. Ah ouais. Ah bah là du coup il a plus sa petite Cette maudite ville est conçue pour vous laisser sans sortir dans le cas d'une urgence comme celle-ci. Soit vous serez un résident permanent. J'ai qu'un kit de soins, allez je vais pas le tenter parce que je vais au moins utiliser 2-3. Je vais pas le tenter, ça sert à rien. Mes arbres, ce n'est pas vous, n'est-ce pas? Ryan, je crois connaître un moyen de sauver les arbres, un vecteur génétique qui... Oh, mais puisqu'on en parle, pourriez-vous me trouver un spécimen de Rosa Gallica? Cherchez dans la grotte, je dois poursuivre mes travaux pendant que j'en ai encore le temps. Ah ouais, en vrai c'est stylé Ok. Ah, il faut qu'on tourne de l'autre côté. Ah, ok, il faut que j'aille là. J'avais pas vu. Et se font appeler les Saturniens. Ils boivent du sang humain et chantent maîtriser la flamme, maîtriser la brume. Ils croient qu'ils sont touchés par la grâce des anciens dieux. Ce n'est qu'une bande de vieux étudiants qui prennent les plasmides pour le nectar des dieux. J'aime bien récupérer les petits messages comme ça. Hop, au revoir monsieur Dab. C'est cool qu'on ait plusieurs sortes de munitions parce que... Bon. Alors, une faction rivale, ok. Alors, les caméras de sécurité et les terrains mettent plus longtemps à vous repérer. Ah. Quand vous parvenez à pirater un système, vous gagnez quelques points de santé. Ah, vas-y. Je vais mettre à la place de ça. Alors ça, ouais, je sais pas ce que c'est.
Fallait que j'aille là ou pas? Pas du tout. Hop. C'est incroyable de voir comment les choses ont changé depuis que j'ai quitté le bureau du docteur Steinman. Petit chat. Je ne reconnais presque plus Rapture. On dit qu'ils ont même rassemblé les gens sur la place Apollo. J'ai demandé à Ryan comment il pouvait faire de telles choses. Innocent. Ils n'ont pas choisi de défendre Rapture, mais ont préféré s'accoquiner avec Atlas et ses bandits. Ce ne sont et pas la tourelle là-bas, par contre, me pète les couilles. Il y a les héros et il y a les criminels. On la ken en 2-2. Voilà. Aucun problème pour moi. Mine de proximité. Mais je sais même pas comment on fait pour les mettre, les mines. J'ai des mines et tout, mais je sais même pas comment on fait. Grégory, ne venez plus pleurnicher au sujet des forces du marché. Et ne vous attendez pas à ce que je punisse les habitants qui font preuve d'initiative. Si les agissements de Fontaine vous déplaisent, je vous conseille de trouver un moyen de proposer un meilleur produit. Wouah, il est trop mal le truc. On va pas toucher à ça. Ok. Après, je peux donner un petit coup dessus ou pas? Simplement les éviter, je sais pas trop comment on fait pour les contrer ces trucs-là. Par sauter dessus ou quoi. Hop. D'accord, j'ai dû ramasser des trucs qu'il me fallait en fait. J'ai même pas fait gaffe si je ramasse des trucs. Moi j'aime bien quand même l'onde de choc. C'est bruit quand même, les protecteurs. J'ai des balles. Ok, j'ai quoi là-dedans? Ok, j'ai ça. Attends, j'en ai 6 quand même. On va tenter de se le faire. C'est juste une impression comme ça. Reload, tranquille. On va qu'on meurt. Sa mère. Ah, il est en train de prendre tarif là. Allez, mon gars. Hop, on sauve ça. Tranquillement. Je vais boire un petit coup là. Merci, tu as apporté la lumière dans les ténèbres. Tu as sauvé les petites sœurs quand tu aurais pu déchaîner ta cruauté. Je t'envoie quelque chose en guise de remerciement. Merci beaucoup. Et alors? Donne-moi mon petit quelque chose en guise de remerciement. Non, c'est la dernière fois que je l'avais eu à cet endroit là. Là du coup je n'ai rien. C'est génial. Je sais pas où je l'aurai, mais. Vous avez la Rosa Galica? Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Une invitation sur papier glacé? Envoyez-la par le pneumatique! Eh, hey, ferme ta gueule! Sérieux, ça me parlait comme ça? J'ai zéro pied. Venez à mon bureau, je vous laisse entrer. Je crois. Un plaque d'alarme et surcharge en moins lors des piratages. Une plaque d'alarme et de surcharge en moins. Des piratages.
païens cesseront-ils un jour de tout voler? Les serviettes en papier, les encriers, la mamélisse, la solution de chlorophylle, même mes vieux numéros de National Geographic. Ils doivent en tapisser leurs horribles petits sanctuaires, pauvres malades. Qui a dit qu'un vieux cabot ne pouvait plus rien apprendre? Je dois être cinglé. J'ai passé 4 ans à trouver un moyen de défolier les arbres dans le Pacifique pour faire peur aux Japonais, et me voilà au fond de l'océan Atlantique en train d'essayer d'inverser le processus. La dent, c'est l'ambroisie plus la bombe atomique, plus Ève et le serpent. Allons voir ce que ça donne. Bon, je suis grave déçu, j'ai pas eu le cadeau de l'autre meuf là, je sais pas comment je vais pouvoir l'avoir. Enfin, je pense que j'ai loupé, je sais pas, bon, c'est pas très grave. Julie, nous avions conclu un marché tous les deux, n'est-ce pas? Oh, comment elle est dégueulasse. Permettez-moi de vous lire ce qui est stipulé. Imagine la meuf, elle écoute. Alors, elle entend une voix, tu sais. Et elle bouge comme ça en mode. C'est genre. Et d'exploitation du vecteur de bazar. La voilà. Ah, d'accord, ferme. C'est quoi cette merde là? Chaque fois que nous gagnons quelques centimètres, Ryan de son côté avance à pas de géant. D'accord, ok. Wouah, si un lance-flamme. Non. Ok. Donc là, attends, il y a 945, 46. Et ça, c'est un 7. Donc 9467. Ou alors c'est 9457. Je pense que c'est ça. 9457, ok. J'ai dit quoi? 9457. C'était ça, ok. À quoi bon être un génie si les seuls qui apprécient vos travaux sont une bande de crétins génétiquement modifiés? J'ai déchiffré le vecteur. En tout cas, au moins à 99%. Il ne me manque plus qu'un bouton de Rosa Gallica pour étayer mes analyses. De l'eau distillée, un peu de chlorophylle et des enzymes d'Apis mellifera. Oui, vous m'avez bien entendu, mes chéris, de la bave d'abeille. Vous avez objectif multiple. Appuyez sur la pour toutes les étapes nécessaires de l'objectif. La flèche de la carte vous quitte. Ok. Alors. Clairement, j'ai pas de vie là, donc on va pas trop faire le malin. Pff, non mais d'accord, limite je passe le truc qui m'explose dessus. Excellent. Alors attendez, parce que là ça me perturbe ce truc. Note. Il vous faut 7 unités d'eau distillée pour la formule du vecteur 1. Arcane 1 pour en trouver suffisamment et fabriquer. C'est ça, j'imagine. Je sais pas. Putain, mais le truc, j'ai électrocute, il veut pas partir. Oh bah d'accord, excellent. Là on meurt 3 fois de suite hein, très bien. Hop,
cher. J'ai quand pour Alors, il vous faut cette unité de solution de chlorophylle pour la formule du vecteur laser. Explorez l'Arcadie et le marché champêtre pour en trouver. Alors, tu sais que c'est qu'il me disait qu'il y avait la petite flèche qui allait m'aider, mais là, ce n'est point le cas. Donc, ah, puis acheter. Alors, on va se barrer d'ici. Parce que je... Ah mais je viens de là, excellent. Est-ce que je peux aller là? Bien non. Ok. Ouais, je viens de là, je viens de là. Ah voilà. Ok, c'est bon. T'as les meufs comme ça, elles sont trop chiantes à tuer, mon gars. Ok. On va commencer par le marché champêtre, n'est-ce pas? Bonjour, monsieur. C'est stylé quand même. Ok, ça reste pas trop glauque quand même ici. Oh salope. Attends. Y'a pas de problème, y'a pas de problème. L'autre pute là, on l'a tué ou quoi? Je sais pas, je pense que oui. Ouh, amélioration d'armes. Qu'est-ce que j'améliore? Qu'est-ce que j'améliore? J'ai... Voilà, on va augmenter les dégâts. Voilà. Ah, dommage. Acheter les articles. Ouais, j'ai plus de café. Putain, ça a déjà mis mal. Elle. Il y avait quoi celui-là? Il y avait rien. Ok. Comment en arrive-t-on là où j'en suis arrivé? J'examine des gènes à longueur de journée et je ne vois jamais l'empreinte du péché. Je pourrais blâmer les Allemands, mais je n'ai trouvé aucun bourreau dans les camps. Rien que des esprits comme le mien. Ok. Marché champêtre. Bon, on avance hein, quand même, on avance. Non, c'est... J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je parle pas beaucoup. Mais... voilà, je suis plongé dedans. Oh, c'est lui ici. Ma chère Julie, j'essaie de faire des affaires ici. Si vous voulez passer du temps avec mes abeilles, je vais devoir vous faire payer ce plaisir. C'est tellement stylé quand même. Si je vous trouve encore une fois en train de traîner près de mes ruches.
Je vais chercher mon fusil. Pour ce qui est de votre question, oui, j'ai oublié mes cours de l'école d'apiculture. Mais je crois me souvenir de quelque chose au sujet de cette enzyme dont vous parlez sans arrêt. Wow. Bon, du coup, on va se laisser là, parce que là, il y a l'air d'avoir du fight. Ça s'abuser, tu sais. On va se laisser là, et puis on laissera tout ça pour un prochain épisode. Donc sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de liker, le commentaire, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Tchuss.